بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم ميشير كوليغ، ميشير انستركتور، ميشير زامي، السلام عليكم. سي ان اونور اي ان بليزير توجور دو بارتاجي افيك فو سي كيلك مومون سي كيلك زور دافينيتي اوتور دون تابل دو شي سوا كيما نقولوا حنايا، كل واحد راه في دارو بور انيمي بوكو بليس تو سكي سباس دون لو فوتبول مودرن اكتوال. دونك نبداو ان شاء الله. بسم الله، نقولوا بلي كون شوازي لو تام هذايا، لو تام جي ريبيت اونكور اون فوا، سا دير سي با دي تام لي انا رايحين نهضروا على لا ديفونس اون زون باسكو لي كوني والاخوان تبعنا حنا جميع كما نقول الرابطات والفيدراليه، كاين دي تام فيهم لي لوسون اللي ندوهم في لي فيدراسيون بارابور اون زونتانور اللي نقريو فيهم في لي دو اف ان دو فورماسيون فيدرال. دونك حنا اون فايسي دو فوار ان تي بو le côté obscur de la défense des hommes, ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement dans beaucoup plus le haut niveau. Inch'Allah, ainsi on dit, il y a le Canada-Sghira, ce qui se passe à l'échelle mondiale, comment les grands entraîneurs pensent, comment ils réagissent, comment ils inspirent la stratégie sur le plan défensif. Donc on a choisi le Tamadaya, qui ont beaucoup plus, il a deux chapitres. Donc, c'est là, c'est les étapes de la défense de zone moderne. Les étapes, donc brièvement, on va essayer d'étaler un petit peu les quatre étapes. La deuxième phase, le deuxième chapitre, il sera beaucoup plus les outils de la défense à Doma, les outils à Doma, parce que ce qui se passe actuellement, les outils, il y a un point qui est important, qui est tendance moderne actuellement. C'est beaucoup plus le gegenpressing. Et on a eu l'occasion, il a pris le privilège et l'honneur de faire un thème dans ce sens, le gegenpressing, dans les fêtes avec les Ikhwa. Inch'Allah, c'est ici qui va nous dire quelques rappels, parce que ça fait partie de la défense moderne actuellement, de la défense de zone. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Bismillah. Okay. Bismillah, nabdaou. Le sommaire ta'na, on va voir. Donc, introduction et constat. On va parler un petit peu, je vais dire une petite introduction. Ce n'est pas des définitions, ce n'est pas académique, c'est beaucoup plus un petit constat ce qui se passe, ce que font les grands stratèges beaucoup plus actuellement à l'échelle mondiale. Donc, en premier chapitre, on va voir les étapes de la défense en zone. Donc, les étapes, il y a trois étapes. Donc, s'opposer à la progression. La deuxième, c'est préserver l'équilibre. La troisième étape, c'est récupérer le ballon. Et le deuxième chapitre, on va aborder les outils de la défense moderne en zone. Mais il y a une carte. Donc, le plus important pour moi, dans le premier rang, parce que ça demande de plus de concentration, elle est le thème. Là, c'est le dogging pressing, là, le contre-pressing, ou là, le pressing à la perte. Le deuxième, c'est interception et la lecture du jeu. Le troisième, c'est le pressing collectif. Là aussi, on ne va pas s'étaler, bien s'amuser à définir les pressings, etc. Donc, on va aborder juste le passage de pressing collectif. Et le quatrième, c'est de prendre en tenaire le porteur du ballon. Le mot tonaï, hadaya, c'est tonaï, c'est prendre entre deux forces à deux. On va essayer d'élaborer ça, les étapes, les cahiers. En troisième, quelle est la bibliographie sur quoi on s'est inspiré le travail tonaï. Donc, on va commencer avec une petite introduction. On dira que le football a évolué à pas de géant au fil des années, notamment dans les domaines liés à la défense collective. Au fil des années, les équipes ont adopté différentes formations, différentes structures et différentes tactiques. Tout en défendant ce principe, les principes de base de la défense ont rarement varié. C'est sur la base de ces principes que l'art de la défense deux zones acquis beaucoup de prévalence, c'est-à-dire de la dominance, de la prédominance, de l'avantage, de la supériorité tout au long de cette période. Il existe de nombreuses variations. La défense de zone. Cela s'est produit parce que les équipes varient leur système de jeu, leur utilisation de pressing. Chacun est différent. La philosophie est différente et la stratégie défensive sont différentes. Chaque entraîneur, les mécanismes de... Allô? Bien sûr, tu as bien fait. Ok, très bien. Donc,
les mécanismes de la défense de zone sont basés essentiellement sur la philosophie de l'entraîneur. C'est clair et net. C'est-à-dire chaque entraîneur a sa philosophie de défendre sur quelle partie ou la stratégie théorique qu'il va choisir. Et plusieurs équipes ont des approches différentes dans les différentes actions défensives. Ces actions défensives, ces actions et décisions sont exécutées en quelques secondes. Cela démontre à quel point le timing, le travail à l'entraînement, la vitesse de pensée, la vitesse d'exécution et au plus haut niveau ne sont pas négligeables pour que l'équipe en défense continue à le faire tout au long du match. L'importance du Chouïa, parce que le constat, donc on va parler un petit peu de constat. Ce qui se passe au Chami Diouf, les grands entraîneurs, c'est ce qui se passe actuellement. Avant d'aborder la première étape, on est toujours dans les constats. L'importance du positionnement dans la phase défensive de jeu, elle est très importante, le positionnement de jeu. Comme son nom l'indique, la défense de zone se réfère essentiellement à partir de la défense de plusieurs zones correspondant à la position moyenne d'un joueur sur le terrain de football. C'est clair. Il est à noter que le positionnement individuel du joueur sur le terrain, il est toujours lié, il est toujours en étroite corrélation. Les quatre repères spécifiques, le ballon, l'espace, ses partenaires, les coéquipiers ou l'adversaire. Mais bien, il y a 15 autres qui sont prévisibles. Ceux qui sont prévisibles, c'est l'espace, les coéquipiers. Les hommes en bleu, ceux qui sont peu prévisibles, c'est-à-dire le ballon ou pas, ou l'adversaire, c'est le ballon ou l'adversaire. Le deuxième point, c'est le décalage. Le compact, la compacité, c'est le compact et l'espace. Maintenant, les équipes qui privilégient la protection du terrain, de certains espaces par rapport à d'autres, dans la défense de zone. La plupart des équipes protègent les espaces centraux. Ils compactent au niveau du centre. Et c'est clair, c'est légitime. À force de reculer, à force, on recule vers le bas, le fameux entonnoir. Donc, on essaie de protéger le but, les buts en essayant de faire une densité au niveau du but. OK? Les espaces intermédiaires et les côtés. Donc, les joueurs se positionnent de manière compacte, horizontale et verticale, entre 10-15 mètres maximum. Le troisième point, qui est le bloc bas, le bloc moyen et le bloc haut, la défense de zone. On va essayer de parler brièvement les blocs à bas. Donc, les blocs bas, c'est thérapeute, bloc bas, c'est quand on joue avec une équipe qui est trop technique, les plus fortes des attaquants rapides, des joueurs en profondeur directement, donc je joue bas. Possible, rarement tu connais une stratégie pour jouer avec des contre-attaques qui sont. Les tendances modernes actuellement, on a un bloc moyen, c'est les tendances modernes. Le bloc moyen, pour lire les blocs moyens, l'équipe qui a le privilège d'être mieux armé, c'est beaucoup plus Atlético de Madrid. Ou les blocs, parce qu'elle est équilibrée. Donc, on a un bloc médian, parce qu'il y a un équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le bloc médian, il est parti, ou là, c'est la stratégie de la majorité des clubs, et qu'il y a un bloc médian. Le bloc haut, là, c'est beaucoup plus. Avec une équipe qui est trop technique, qui m'a Barcelone, qui m'a Manchester City, où ils ont la possession du ballon, de garder le ballon, de faire circuler le jeu de position. Anna, le quatrième est le plus important, hein, entre les trois constats, entre l'importance du jeu de positionnement, le décalage, d'être joué compact l'espace, les blocs moyens haut et bas, qu'il y a un autre aspect, l'inclinaison dans la défense de zone. Ce n'est pas toutes les équipes, les amis d'Hiro. D'après un constat, d'après les études, leaders, il y a une étude récemment, quand il y a deux clubs, il y a deux équipes, les Roms sont partis, l'inclinaison dans la défense de zone, qu'il y a la Juventus, l'ami d'Hiro, à Sarri, ou qu'il y a l'Atlético de Madrid, l'ami d'Hiro, à Simeone.
Donc, beaucoup plus que ce qui est inclinaison des zones. Lorsque l'équipe en position change de balle, la zone l'équipe adverse va être bas. Les coulisses, la zone exactement. Donc, le coulissement donc, il doit être changé rapidement, agressivement, efficacement, pour comprimer les espaces. Il a été constaté, surtout beaucoup plus le point Ada. Il a été constaté à plusieurs reprises que les longues balles diagonales, renversement de jeu, une équipe qui maîtrise le constat a été fait sur les deux clubs beaucoup plus, c'est-à-dire Atlético et la Juventus, parce que les autres, à chaque fois, ils trouvent des difficultés qu'ils jouent les renversements de jeu, les ballons diagonaux. Ils ont les failles, ils ont les difficultés. Fait. Mais à part les deux clubs, à Adoma, même les balles de longue transversale avec des changements doucement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils sont bien armés et bien positionnés dans ce sens. Donc, on commence les étapes. Le premier chapitre, c'est les étapes de la défense de zone. Donc, jouer en zone signifie jouer en fonction du ballon. Là, c'est clair. C'est une façon rationnelle d'utiliser l'espace de jeu qui est transformé. Là, c'est clair. Son application demande de l'intelligence de jeu et de la concentration de la part des joueurs. Là aussi, c'est clair. Donc, nous allons distinguer les trois étapes pour défendre en zone. Là, bien sûr, il s'oppose à la progression. La deuxième, c'est préserver l'équilibre. La troisième, c'est récupérer le ballon. Ce qui fait que la troisième, elle n'est pas toujours utilisée. Pourquoi? Parce que la récupération, tu peux la faire dans la première phase ou la faire la deuxième étape. Donc la troisième étape, c'est la finalité, quelque sorte. On va voir le schéma. Donc l'étape 1, c'est s'opposer à la progression. L'étape 2, préserver l'équilibre. La troisième, c'est récupérer le ballon. L'équipe peut récupérer le ballon dans l'étape 1 ou 2. OK. Donc, s'opposer à la progression. Il y a deux comportements. La progression, c'est-à-dire que le jeu classique. Le classique, à la perte du ballon, tout le monde revient en arrière et on défend. C'est-à-dire Lula. D'une part, dite passive, recule traditionnellement beaucoup plus. Il y a actuellement beaucoup. C'est les Sud-Américains qui disent qu'il y a de l'option à dire de jeu. L'autre variante, dans notre partie, un comportement plus actif, il faut dire que non. Donc, je vais récupérer le ballon immédiatement après sa perte. Donc, il y a beaucoup plus, on parle beaucoup plus à club qui popularise actuellement cette option. Là, on parle du gegenpressing, le contre-pressing, ou là, le pressing à la perte du ballon. Il y a plusieurs termes. Donc, on va ici, on va dire, Inch'Allah, le thème, d'ailleurs, un petit passage à l'aise. Et qui de, actuellement tendance, actuellement c'est ce qui se passe au niveau des grands clubs, et c'est très intéressant de l'avoir et de le comprendre. Cette image, on a choisi l'image pour donner un petit peu ce qui se passe les deux donc, on est toujours dans la première étape. Hein. Donc, là, les rouges ils étaient à la home en position d'attaque, les bleus sur le plan défensif. Donc, un des bleus récupère le ballon. Donc, les rouges. Un homme, deux solutions. Alors, soit qu'il recule, il y a Audi ou Lolo, il organise le premier, donc il va aller, le porteur du ballon, il freine, il le recule. Voilà. Ou là, directement, les rouges, ils vont contre-presser. Et les bleus, de leur côté aussi, essayent d'échapper à la pression, à le pressing qui déroule là, pour anticiper, devoir jouer vers là. Donc, en résumant un petit peu les deux étapes. Donc, là, on a allé l'échelonner face à l'adversaire afin de produire des rideaux défensifs. Le joueur le plus proche de l'action intervient sur le porteur du ballon. Il prévient, mais il tombe l'espace. Le ralentissement de mouvement est complété par les courses et le repli des partenaires. Le système défensif initial. Le deuxième, non. La deuxième, c'est le pressing immédiat, qui consiste à attaquer l'attaque adverse afin d'empêcher l'adversaire de garder la possession du ballon. Le principal avantage de cette option de jeu est que si elle aboutit par une récupération, il a une cette par récupérer le ballon parce qu'il joue plus haut, donc on a le camp adverse du ballon, l'équipe sera plus proche du but adverse. Donc, il y a possibilité, beaucoup de chances de marquer un but.
La deuxième étape. Bon, on va voir avant la deuxième étape. Avec un schéma, il concrétise un petit peu la première étape. Donc, l'équipe bleue vient de perdre le ballon. Okay. Regardez l'alignement de l'équipe bleue. Elle garde immédiatement que les joueurs pour elle garde. Il y a les quatre lignes défenseurs défensés plutôt, plus les deux milieux d'action. Mais à la perte du ballon, il y a sur une zone, il y a ce qu'on appelle une supériorité, parce qu'il y a une affaire en football actuellement, les tendances du football moderne actuellement, qu'est-ce qui existe? Il y a la supériorité numérique et la supériorité du position. Je répète, la supériorité numérique, la supériorité du position. Par rapport à la position quelconque, par rapport à la zone quelconque, le nombre de joueurs qui valent la surface avec les conneries. Donc là, on observe que l'équipe a gardé le positionnement défensif du parti bleu pour essayer d'anticiper et de récupérer le ballon le plus vite possible. À des frustrations. Donc les grandes équipes bâtissent essentiellement leur victoire au cours des quelques secondes qui surgissent à la perte du ballon ou à la récupération du ballon. Edings, pour vous dire que sa vision de jeu sur le football moderne, où il faisait partie du le football total hollandais à l'époque, on va essayer de faire un petit passage à l'Amoubad, parce qu'ils font partie du football total. Donc il a anticipé ce qui se passait à l'avenir un petit peu. Encore deuxième étape. Alors, quelques règles plutôt d'action à identifier pour la première étape. Le voulait c'est passer le plus rapidement d'un statut d'attaquant à celui de défenseur. Là, on parle de transition. On est toujours dans la première étape. Savoir identifier le temps de jeu défensif, soit posé ou là de récupérer. Est-ce qu'on aura directement nos posés à Bachelard ou là de récupérer le ballon? Identifier le temps de jeu défensif. Échelonner le bloc d'équipe. On réorganise en élan défensif. Affaire d'organisation défensive par perte. On a décortiqué le système de jeu adverse pour stabiliser la perception. On est la première étape. La deuxième étape, préserver l'équilibre défensif. Dans l'étape, c'est-à-dire le bloc équipe est placé, est organisé entre le ballon et le but à défendre. Donc il est organisé entre est placé entre le ballon et le but à défendre. Le bloc défensif doit être en mesure de se placer, de se replacer entre le ballon et le but en fonction de la circulation du ballon de l'adversaire. C'est clair? Donc, si l'adversaire joue latéralement, ou si il joue là, c'est-à-dire si l'adversaire il joue latéral, ou là il joue là, mais ça veut dire que le bloc défensif est correct, il est bien en passe. C'est-à-dire, où est-ce qu'il joue aussi, c'est-à-dire, il est bien en passe. Je dis toujours, le dictionnaire, je l'aime bien parce que parce qu'il illustre un petit peu la. Parce qu'avec un conflit dictionnaire, entre parenthèses, à chaque entraîneur, les paroles des coachs, n'importe quel coach, hein, vous allez comprendre, quand tu bien entre les lignes, vous lui faites la personnalité, vous lui faites la stratégie. D'abord, fermons la porte de la maison. Si tu ne fermes pas la porte, les voleurs entrent, ils te volent tout. Une fois que tu as fermé la porte, tu peux décortiquer et organiser comme tu veux. C'est l'un des meilleurs, enfin, il fait partie des meilleurs sur le stratège, sur le plan défensif, parce qu'il sort simplement de l'école italienne. Un schéma, deuxième stratège, c'est le schéma. On voit bien l'alignement des bleus sur le plan défensif compact avec un système 4-4-2, l'alignement libéraux. Placé, bien étalé, les lignes bien. On observe que les deux lignes défensives sont positionnées côté le ballon. Ok, le ballon est en droit pour bloquer l'accès au but. On a toujours gardé l'équilibre. On garde l'équilibre. Quelques règles d'action à identifier la deuxième phase. Priver le porteur du ballon d'un temps de jeu important avec un cadrage, réduire l'espace en largeur en coulissant ensemble, réduire l'espace en profondeur en avançant ou en reculant ensemble,
fermer le couloir de jeu direct avec une action sur le porteur du ballon pour différer l'accès au but. Contrôler les potentiels receveurs en restant à distance de marquage, tout en couvrant le partenaire dans l'action défensive. Avec des points de mashallah, on va bien définir avec des exemples. C'est bon, comme Ayal? Je suis avec Cheikh, avec Cheikh en technique. Gérer l'espace dans le dos de la défense. La troisième étape, c'est récupérer le ballon. Donc, on a récupéré le ballon, déjà, la première étape, la deuxième étape. Donc, la troisième, c'est juste. Il n'est pas toujours nécessaire d'arriver à cette étape pour récupérer le ballon. Pourquoi? Parce qu'en effet, il est possible de récupérer la première avec un pressing agressif ou la tricule ou la deuxième, probablement en prenant la position du ballon dans l'étape. Donc, l'étape 1. Il y en a qui me disent le pressing, un contre-pressing parce que je récupère les clés. Hein, je vous parle du mot-clé. Soit je prends, je fais une position du ballon avec dans l'étape 2, que ce soit attaque placée. Ouais. Donc, effectivement, un bloc défensif, court et serré, qui coulisse aisément dans la largeur et la profondeur, peut provoquer une faute technique dans la circulation du ballon de l'équipe adverse. Ah, c'est clair aussi. Mais ce n'est pas le cas. Un défense ne le parle. Donc, le bloc défensif doit mettre, c'est-à-dire, en œuvre des actions collectives afin de surprendre l'adversaire et de récupérer le ballon. Comme exemple, déclencher un pressing, chercher les interceptions, créer une supériorité sur un joueur particulier. Exemple, il y a un joueur techniquement faible, un marsous, c'est quelqu'un, un joueur qui garde le ballon, qui a pu garder le ballon. Là, ça fait partie de la stratégie de l'entraîneur, ou là, comme on appelle ça, en termes global, on va voir en bas, c'est le pressing de stratégie. La toute action collective nécessite des valeurs morales, comme l'humilité, la solidarité, la générosité et le respect de l'autre. Ancien sélectionneur national, Christian Gourcuff. Troisième schéma, donc toujours les bleus sur le plan défensif. Donc le ballon rentre dans le bloc défensif des bleus par une action collective. Un prise à deux. L'équipe bleue tente de le récupérer le ballon. Les deux joueurs bleus, c'est ce qu'on appelle tenailler le ballon, la tenaille. Prendre en tenaille le ballon, on va le voir en bas, Inch'Allah. C'est de prendre en tenaille. D'ailleurs, il y a un dicton pour la meilleure défense, c'est toujours être deux à le porteur du ballon. Mais est-ce que réellement on peut être toujours, souvent, ou là, tout le temps à deux contre pour le porteur du ballon? Ah, c'est quasiment impossible. Donc, quelques règles à identifier. La troisième phase, récupérer le ballon le plus haut possible, déclencher un pressing dans une zone ou sur un joueur bien défini qui est maintenant. Prendre en tenaille le porteur du ballon, sentir entre deux lignes. Tenaille, ça vient. Là, le terme, il est beaucoup plus académique. Hein. Donc, pour l'avoir, parce que c'est une revue allemande, donc j'ai mal quitté le synonyme significatif propre au football. Hein. Donc, il a, mes chers confrères, un autre sens, ou là, on a bien l'audit. Donc, le mot tenaille vient me tenailler, donc c'est prendre entre deux forces, c'est-à-dire le pincer. Voilà. Un assez académique. Donc, sur le football, pour la remarque, je n'ai pas trouvé le mot exact qu'il faut le placer. Une prise à deux, qui m'a fait le basketball. Qui va, Chirna? En France, une prise à deux, qui m'a fait le basket. C'est un terme, tu as le basketball. C'est une prise à deux. Alors, voilà, c'est la prise à deux. Delta, entre parenthèses. Donc, ce n'est pas l'appel le mot tenaille. Très bien. Okay. Le mot tenaille, il est un peu. C'est académique, c'est francophone, exactement. Le français académique, voilà. Fait. Très bien, Barakalovitch. Avoir le jeu et récupérer le ballon, c'est les trajectoires de passe. Là, c'est quelques règles à définir ou à identifier sur les trois phases. Les canines, les Heilik a dit le premier chapitre. Donc, c'est beaucoup plus des petits rappels, des petits constats. Pour le deuxième chapitre, après les étapes, et c'est les plus importants, c'est les outils de la défense moderne. Qui sont les outils, qui sont les clés de la réussite, si on veut dire. Parce que normalement, les grands clubs, le premier, c'est le game pressing. Donc, intercepter les lecteurs de jeu, lire le jeu pour intercepter. Le pressing collectif, déclenchement du pressing collectif.
Donc, prendre en tenaille, on va aller chercher Mokbel. Donc, prise à deux, le porteur dit voilà. Donc, on retrouve le même terme. OK. On fait le gegenpressing. Ou le pressing à la perte du ballon, ou le contre-pressing. Parce que le gegenpressing, c'est un mot allemand. Il y a le gegenpressing, ça existait bien avant, les années 70. On va voir un bâtiment qui disait, moi, si tu oublies que le football total, les Hollandais, qui a eu le Khadmo B. Mais c'est-à-dire, mais il n'était pas vraiment efficace. Où les Allemands parlent de gegenpressing, les premiers, juste un petit rappel, le premier libre d'affaires qui anticipe l'Allemagne, c'est bien Klinsmann. Avant la Coupe du Monde 2006, il a anticipé, il dit qu'il faut qu'on arrive à récupérer le ballon juste à la perte. C'est Klinsmann qui a fait le ballon. On a fait avec l'équipe nationale allemande, on a déjà avec le Bayern, déjà Hanks, on va voir, on va voir la stratégie. On a le plus connu, leader a beaucoup plus Klopp, Jürgen Klopp, qui a fait avec Dortmund, mais n'a pas vraiment réussi à faire. Et puis, il y a un autre Liverpool. On a avec tous les ingrédients qu'il y a, tous les éléments qu'il y a, il a su quand même fonder une stratégie propre au club, propre à la physiologie, la philosophie. Et ça a marché. C'est ce qui fait que le gegenpressing actuellement, il fait partie des tendances modernes actuellement du haut niveau. C'est brillamment work à l'anado. Donc, le gegenpressing consiste à presser l'adversaire de manière très agressive dès la perte du ballon. OK? Donc, l'objectif terreau, il est double. Il a un double objectif. Donc, le premier, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible et profiter du flottement chez les joueurs adverses. Le deuxième, c'est empêcher l'adversaire. Il est entré dans une phase d'attaque ou de contre-attaque. Donc, en effet, il est plus facile de se créer une occasion parce que l'adversaire n'est pas organisé pour défendre. Le meilleur moment pour récupérer le ballon, c'est juste après l'avoir perdu. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'adversaire a quitté le jeu des yeux. C'est l'adversaire classe. L'adversaire qui dit le ballon. Dans son esprit, il est en train de se préparer pour attaquer. Il n'est pas encore prêt pour défendre rapidement. Donc, il a quitté déjà le champ de jeu, le champ de vision de jeu. Il a quitté dans son esprit sur le plan mental. Blick, il est en train de chercher une solution offensive. Donc, il a quitté le jeu des yeux pour effectuer un tac ou une interception qui vient, il vient de dépenser beaucoup d'énergie. Il cherche son orientation pour passer le bas. Il a déclenché une attaque, une contre-attaque. Ces deux éléments le rendent vulnérable. Donc, le concept, c'est le concept de prendre la position immédiatement avoir la parole. Le concept, c'est le gegenpressing. Reprendre immédiatement la position du ballon après l'avoir perdu. Ouais. Et en plus, c'est la manière la plus économique de récupérer le ballon. D'après Klopp, on l'a interrogé au Kalolo, qui fait le choix là. Alors, ce principe, le principe, c'est-à-dire de contre-pressing, il serait même plutôt économique, côté course et kilomètres parcourus. Pourquoi Klopp, il camel toujours. Alors, on n'a jamais couru deux fois de plus de kilomètres que l'adversaire. On n'a jamais duré ou dépensé d'énergie beaucoup plus que de kilomètres que l'adversaire. Il continue toujours sur sa lancée. C'est juste, c'est simplement, là, c'est juste plus intense à quelques moments. Donc, il continue toujours d'expliquer. Waikoul, il démarre, si vous ne le contre-pressez pas, il faut courir beaucoup plus. Si vous gagnez le ballon là, ça peut être 10, 15 mètres et en plus. Il y a 2, 3 joueurs qui participeront parce que c'est une zone. Donc, Waikoul, il a à la perte du ballon. On ne va pas pressé pour le récupérer. Donc, on est obligé de reculer en arrière. Nous, le 70 mètres à l'heure. On va nous donner l'adversaire. Donc, il va nous récupérer. Parce qu'il va nous récupérer 50-60 mètres. Donc, pour lui, il dit, je préfère être intense. Bref, intense. Une vitesse maximum. Sur une distance
Bien sûr qu'il y a le temps, on va le voir en bas. Parcourir 10-15 mètres, puis en plus, ce n'est pas tous les joueurs qui ont le bloc. Il y a uniquement 3 jusqu'à 4 joueurs qui sont concernés. Les joueurs, ils sont là de cadre, ils sont là de série, ils sont là concentrés en cas d'anticipé. En cas où le ballon a déjà fait. Si vous ne le faites pas, tous les joueurs, les 10, doivent courir 70 ou 60 mètres à l'audio ou l'autre. Quelle est une théorie couramment utilisée? Il parle de la règle de 5 à 7 secondes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Immédiatement après avoir perdu le ballon, votre équipe doit appuyer avec une intensité, une vitesse maximale pendant 5-7 secondes. Si vos joueurs n'ont pas récupéré le ballon dans les 5-7 secondes qui ont suivi la perte de la possession et qu'il n'y a aucune chance de le récupérer, essayez. Les joueurs qui ont fait l'effort de 5-7 secondes, ils n'ont pas pu récupérer le ballon, mais qu'ils ont récupéré le ballon, mais du qu'il n'y a aucune chance de immédiatement, ils doivent se replacer en formation défensive initiale. Donc, il est donc également nécessaire de planifier le retrait. Si jamais le pressing, le gagne pressing, il joue. Pas forcément dire le gagne pressing, il va récupérer le ballon. Il faut penser cette année qu'à planifier le retour à la défense initiale. Je vous assure, mes chers collègues, c'est on est en train de faire un petit résumé de gagne pressing. Hein, parce que comme on a eu l'honneur et l'occasion de faire le thème Hadaferm, on a essayé d'élaborer un petit peu les paramètres, les facteurs tactiques et tout et tout. C'est tellement vaste et c'est tellement intéressant que le peu qu'on peut donner, ça n'explique pas c'est-à-dire cette tendance actuellement qui est le gegenpressing. Donc, la subtilité tactique du gegenpressing, elle se passe quand l'équipe a le ballon. C'est clair. L'un des aspects du gegenpressing, c'est qu'on a la position du ballon. Parce qu'on a droit au gegenpressing. Il a le ballon à Marrakech. On ne peut pas parler de gagner un pressing. On parlait de récupérer le ballon, de faire un pressing, soit individuel, collectif ou là, stratégique. Comme je vous montre les étapes. Donc, la première règle, c'est que je suis en possession du ballon. Pour qu'il soit efficace, il faut que les joueurs soient proches du ballon. Il y a un nombre suffisant dans la densité, donc serré, les zones restreintes. Ainsi, ils offriront la possibilité différente à la récupération du ballon. Je vous le dicton à Peter Potts, l'entraîneur de Bayer Leverkusen. Ici, c'est un adepte de. Inch'Allah, il a tâché l'occasion où là, vous allez voir Leverkusen. Malgré une équipe juste, je ne dirais pas moyen, mais à quelques moments du match, vous allez découvrir Blick. Il le fait. Il dit oh, chaque 5 secondes, au plus tard 7 secondes, en cas de perte de balle, je donne 5 secondes à mes joueurs pour la récupérer, afin d'effectuer un pressing le plus haut possible. C'est ce qui est fait actuellement au niveau de l'Allemagne. Donc, entre-temps, il existe quatre variantes de couverture et le gegenpressing. Les images, là, comme tu peux voir d'un coup, l'image 1, l'image 2, l'image 3 et l'image 4. Commençons par l'image 1. L'image 1, je chauffe pour le porteur du ballon, les verts. Donc, les ballons, ils ont perdu le ballon. Donc, les verts, les ou là. Donc, quand je chauffe pour la position l'eau, là, Harry. Regardez les ballons, les flèches mécaniques, les ballons, rachou directement. C'est-à-dire, ils sont rachou directement, le porteur du ballon. Rachou directement, ils cherchent le porteur du ballon. Quand ils sont le porteur du ballon. Hadi Darouha, Hadi pourtant, il fait partie de la couverture des gagnants pressés. Hadi Darouha, les années 70, la Hollande. Je vous assure qu'il y a une vidéo, parce que la vidéo est Khatmatim Chiche. Ou tu peux trouver YouTube, tu vois la Hollande, le football total des Hollandais des années 70. Vous allez voir comment ils attaquent le ballon, mais la seule, c'est-à-dire fragilité qu'il a fait, c'est-à-dire ils ne prévoient pas ce qui se passe par rapport aux joueurs. C'est-à-dire ils attaquent, bon, je m'excuse du terme anarchiquement, c'est-à-dire ils ont le pressing, elle porte le ballon, ben, ils ont le ballon.
هذه في الاولى هذه في يروحوا فير لو بال سامبلومون فير لو بال سون تونير كونت دون بيرت دو ستركتور باسكو يروحوا كاع ان بيرت ستركتور لا ديفونس تكون ديزيكيليبري كاينه اون زون كي ديفريشي دونك يبيرو جوي من تم دونك سولا سينيفي دون بار que l'équipe peut atteindre un rythme et une agressivité maximale, mais d'autre part, elle sera vulnérable. Hadi, c'est typiquement hollandais, les années 70, qui gagne le football total. Voilà, on a mis cette première, l'image de l'Oula. On pouvait facilement le faire, on peut le faire, on peut le faire, les années 70, on peut le faire, on peut le faire, 70, qui est ma qui m'a 70. On a dit qu'on a joué avec باسكو علاش حبيت دير علاش درنا هكذا باسكو الله اللي ديريكتومون حبينا ندير لكم لا كومباريزون اونتر لا بروميير اي لا كاتريام باسكو لا كاتريام اكتويلمون لو يديرها يديرها كلوب كاي سي يديرها مع مع دورتموند دونك نلحقوا ليها مي افون اون باس لا دوزيام ايماج لا دوزيام ايماج سون فوا بيان نشوفوا كاين هنايا سي ليكيب دو بايرن ميونيخ مع هيك سي ان كرون مسيو سي ان كرون استراتيج كي ان تري كرون tacticien, si on veut dire. Elle a perdu le ballon, le marquage d'abord du joueur. Le marquage d'abord du joueur, c'est-à-dire un marquage strict de l'homme du joueur par rapport au porteur du ballon. Hein. Donc, Anaya, le pressing, il est axé sur l'homme. On cherche un adversaire à couvrir immédiatement. Immédiatement, le plus proche que demain, c'est après que son équipe a perdu le ballon. Anna fait la deuxième. هذه دارها في البايرن هينكس اللي دارها بوكو بليس في زاني غادي نقول 2009 2008 ابي بري 10 راه هكذا لا تروازيام ايتاب لا تروازيام ايماج لا تروازيام ايماج انا سي كلار انا نشوفوا ليكيب تاع برشلونه لما يخدم ليكيب تاع برشلونه ليكيب تاع برشلونه انا نهضر على وصل على غوارديولا دونك انا الي اورينتي سي تان بريسينغ اورينتي هي هما كاع لي سون اورينتي اورينتي فير لوم اورينتي فير لو بالون الاولى سي اورينتي فير لو بالون لا دوزيام اورينتي فير لوم لا تروازيام كيما انا اورينتي فير اون فوا اون فوا كيل فوا فدير هنا لو بوت تاع لي دار لا فيلوزوفي تاع غوارديولا قال لك هنا لادفيرسير اللي اوتوريزي لو كان تشوفوا مليح ليماج يا شو فورم دو تريون او نومبر شوفوا لو بورتور دو بالون ستادير هنايا يا با ما كاش اللي يروح لعند لادفيرسير البالون ما يروحش هنا نقول جو فيكسبليك اون تيرم بالعربيه تاع باش تفهم ستادير هنايا هما ايزي دو اونتيسيبي يقعدوا اونتر لو بورتور ستادير ايز اونتيسيب ماشي لو جوار ما يروحوش هما ما يقولكش يدير لك ان كونتر ان نروح ندير دي ديوال مسكلي مع لادفيرسير نو هو يقول لك جبي اونتيسيبي لا بال انا في لا تروازيام ايماج اللي يهمو سي لو بالون سي با لي جوور سي لو بالون لي ميم سادير لا باس هذا كيخلي لا باس ترا دونك هما واش هما يديروا لادفيرسير هنا اللي اوتوريزي افيكتوي لا بروميير باس كونترارمون في الاورينتي فير لوم الاولى في لا بروميير ولا في لا دوزيام سوبوندو لو ريسيبتور دو لا باس ني با اتاكي اللي يحكم البالون ما يتاكيش ما نقدرش نحكمها ما نتاكيش ديريكتومون اي ني با اتاكي مي لا باس ايل ميم دونك انا اي اتاك لا باس ايل ميم كيفاش دونك لو بيت اي دو سينستالي اونتر سيرتان جوور بي اون فوا لو بالون باسي اون ايسي دو لو ريكوبيري دو مانيير فليكسيبل هنا واش كان يخدم غوارديولا مع بارسلونا لا كاتريام ايماج دو كيغان بريسينغ هنا سي لو دورتموند هنا بوكو بلوس كان يخدمو بون كلوب لي دارو مي هنا كي كان سي بوكو في 2009 كي لحق باقي لا فينال و الى في دو ريزيتا اكسيبسيونيل معاهم الى في اون سيرتين استراتيجي وفيها هنايا سي لو جيجل بريسينغ اورينتي قلنا كاينه لوم كاينه لو بورتور كاينه لوم نحوس لوم كاين نحوس لو بالون اخرى نحوس اونتر لا باس والبالون نحوسها في لا كاتريام هنايا c'est beaucoup plus tout ce qui est orienté, c'est-à-dire c'est un pressing orienté. Maintenant, on se concentre sur le ballon. Là, c'est quoi comme un lien direct entre la 4 et la première. Il y a un petit peu de chibre à l'éon. Qu'est-ce qui diffère? C'est la zone.
Ana huwa, il prend la zone elle-même. C'est-à-dire il est en train d'encadrer la zone. Il y touche, mais il y a. Donc, elle est beaucoup plus. On se contente sur le porteur du ballon. Le ballon lui-même et la zone environ, la zone à peu près 7, toute l'équipe appuie dans la direction du ballon. Il cherche à régénérer une grande pression possible. Mais tant ou restant, la zone a c'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur la zone avec une raille longue, raille sous forme de cercle. Donc, c'est ce que je veux dire, Klopp. Donc, indirectement, je veux dire, je veux dire, mais c'est-à-dire que la pensée, qu'est-ce que. On voit que l'évolution du football moderne actuellement, il y a l'évolution sur plusieurs angles, sur le plan physique, là on parle sur le plan tactique beaucoup plus, tout ce qui est aspect tactique, système de jeu, etc. Ou qu'il y a l'évolution sur le plan culture tactique, et ça fait partie de la culture tactique, c'est-à-dire beaucoup plus tout ce qu'ils ont, tout ce qui est le game pressing. Donc ça vous donne que c'est des gens, c'est des entraîneurs qui réfléchissent. Qui ont une stratégie, qui ont une vision de jeu. On a qu'à admirer ce qu'ils sont en train de faire et de prendre connaissance que le football moderne est toujours en évolution, surtout sur le plan tactique. Même bad, Jet, on a en 2009. Jet sur le plan, ou je veux dire Klopp, actuellement, à Liverpool. Parce qu'il y a un pressing, là, c'est beaucoup plus, ou je veux dire à Liverpool. C'est entre parenthèses, je voudrais bien dire. Ça ne veut pas dire que Guardiola ne fait pas de game pressing. Ça ne veut pas dire que Hanks, je ne sais pas si je Hanks a fait de game pressing. Guardiola a fait de game pressing. Mais la stratégie, la philosophie, le système de jeu, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients derrière. Parce que c'est en fonction du système de jeu, en fonction de disposition, en disposition de tac, en fonction de la zone, les comptes, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Ça ne veut pas dire que Guardiola, il le fait. Et immédiatement, il récupère le ballon, il récupère. Il récupère la zone. Mais c'est qu'il récupère, il joue sur la position. Jouer sur les côtés, à droite, à gauche, il fiche la position, et il trouve la faille. Guardiola, il te fait un pressing, il délique un pressing. Entre parenthèses, le pressing, le pressing stratégique, hein, parce que le pressing individuel, le pressing collectif, ils sont connus. Donc, on va voir en bas de l'école. Beaucoup plus le stratégique, le pressing stratégique, c'était ça. Dès que la zone où on habite, on dit qu'on a. Machine telle machine. C'est-à-dire de pousser l'adversaire, oui, la zone où on habite, on dit. Est-ce qu'on appelle un pressing de stratégie? Avec la vidéo, on va voir, Inch'Allah, tu vois, Inch'Allah, parce qu'il y a une très la chouïa. C'est comme un petit peu, on verra ce qui fait que Klopp, qu'est-ce qu'il fait par rapport au game pressing avec Liverpool. Ou Karim, Inch'Allah, il a dit que Mara, il a dit que Allah, il a. S'il vous plaît, cher Karim Bark, pour confirmer que le microphone est actif. Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant tactique. Et si on s'attaque. Est-ce que tu peux entendre, Karim? Non, le microphone est partagé, nous sommes en train de se faire. Est-ce que le son est ici? Oui. Ah oui, j'ai. Non. Est-ce que tu peux le son de la vidéo? Oui, oui. Quand le son qui m'a lancé. Ok, d'accord. Ok, très bien. Salut à tous et bienvenue dans l'instant tactique. Et si on s'attaquait au cas de Liverpool? Oui, Liverpool, l'équipe qui a mis à terre le Manchester City de Pep Guardiola. Comment? Avec du talent bien sûr, mais aussi de la stratégie à l'assaut sur Jürgen Klopp. Sa spécialité, c'est le contre-pressing et on vous explique comment ça marche. Ça, c'est le schéma de base de Liverpool. Un 4-3-3 avec une sentinelle et deux relayeurs au milieu. À la perte du ballon, la plupart des équipes vont se replier. C'est ce qu'on appelle la transition défensive. Mais Klopp, lui, a une autre idée de la défense. Son équipe va défendre en attaquant. Et c'est ça, le contre-pressing. À la perte du ballon, on observe que les joueurs de Liverpool avancent sur le porteur adverse. Avec la concentration de joueurs axiaux, ils vont quasiment obliger leur adversaire à sortir le ballon par les côtés. Et c'est là que tout s'enclenche. Les joueurs de Liverpool vont presser leur adversaire à plusieurs pour occuper les espaces qui sont plus réduits sur les ailes. Et ils vont ainsi lui couper les solutions de relance. L'adversaire n'a alors pas le temps de s'organiser. Il était passé en phase offensive après la récupération du ballon. Il n'est donc pas préparé pour une nouvelle phase défensive. La probabilité qu'il perde sa balle est très importante. Liverpool va donc tuer l'action adverse dans l'œuf. C'est l'avantage défensif du contre-pressing. Mais il y a surtout un avantage offensif.
Liverpool va récupérer le ballon très haut dans le camp adverse et Jürgen Klopp a dans son effectif des joueurs rapides et explosifs comme Salah ou Mané qui vont pouvoir porter immédiatement le danger devant le but et peut-être marquer. La coordination des joueurs et l'intensité du pressing sont donc essentielles car le contre-pressing implique une désorganisation quasi totale du bloc de Liverpool, un chaos général destiné à surprendre l'adversaire. Quand ça marche, c'est imparable, n'est-ce pas, Monsieur Guardiola? Karim? Naam, Cheikh Karim, naam. Passe la vidéo? C'est bon, naam. Vous avez bien vu, je suis amené? Bien passé, naam. Ok, très bien, voilà. Cheikh Karim, s'il vous plaît, bark, chahal bqam le temps de la présentation? Allez, ma pralich bzaf, khlas, ma pralich bzaf. Parce que, alèche d'art hada, pourquoi on a fait le premier hada? Parce que c'est le plus important, ou le kibir. Les autres khorin, c'est des petits passages, bark. Parce que le plus important, c'est le gag pressing. Il a insisté عليه parce qu'il est tendance actuellement pour la défense de zone. Sari ou la Khorina Mikhadou beaucoup plus. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser, tout ma, mes chers constructeurs, mes entraîneurs, mes chers collègues. Donc, les phases de jeu, c'est clair. Amaroufine ou les moments de jeu sont clairs. Donc, il y a l'organisation offensive, organisation défensive et transition offensive. On a transition défensive. Donc, on va appeler ça transition offensive A, organisation défensive, c'est le numéro B, transition offensive, le C, transition défensive, le D. Maintenant, je vous pose la question. D'après vous, le gegenpressing se situe où? Donc, d'être les termes A, B, C, D pour vous situer un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a le A ou le B? Est-ce qu'il y a le A ou le C? Est-ce qu'il y a le B ou le C? Est-ce qu'il y a le B ou le D? Est-ce qu'il y a le D ou le A? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'organisation offensive, le défensif, l'offensif, ou l'offensif, le défensif? À vous, mes chers collègues. Donc, le gardien pressing, la phase D, A, donc, transition défensif, l'offensif. On a où intervient le gardien pressing. Je ne sais pas, comme tu veux. Rakchouf? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, on a où phase, donc, le gardien pressing. Il intervient au niveau anal. Ok. Lire, intercepter, lire le jeu. Alors on peut la définir comme une intervention individuelle au bon moment et sur une trajectoire de passe entre deux adversaires pour récupérer le ballon. Donc l'interception fait trois avantages pour le joueur leader. Le premier, c'est qu'il ne commet pas de faute. La deuxième se retrouve face au jeu. La troisième, c'est qu'il se retrouve sans opposition directe. Espace libre. Donc, on a un chauffeur sur le schéma. Voilà. Donc, le rouge, le bleu plutôt, il anticipe le ballon. Il intercepte. Là, après lecture du jeu, il intercepte. Mais le chauffeur public, d'un mot, qu'il a l'espace plutôt parce qu'il peut y aller. Donc, l'illustration numéro 1 sur cette image, nous voyons que le défenseur central bleu coupe la passe entre deux joueurs rouges. Et grâce à cette intervention, le défenseur bleu se retrouve face au jeu et non cadré, il pourra jouer vers l'avant. Donc, il n'y a pas de meilleur outil que l'interception pour faciliter la transition offensive. Là, c'est très bon dicton aussi. La deuxième, déclencher un pressing collectif. On a aussi, on ne va pas s'amuser de notre droit pressing collectif. Ou le pressing, parce que c'est un terme qui est vaste aussi. Donc, on essaie de donner quelques flashs. Donc, c'est une action collective nécessitant la coordination entre chaque joueur de façon à se déplacer ensemble et dans le bon rythme. Les trois conditions sont nécessaires afin de réussir un pressing collectif. Le bloc équipe Lola doit être placé et organisé devant le but à défendre. Ah, c'est primordial. La deuxième, les joueurs doivent être en capacité d'effectuer des courses intenses afin de surprendre l'adversaire et le mettre en crise de temps et d'espace. La troisième, chaque joueur doit identifier par lui-même le bon moment pour déclencher un pressing. Exemple, déclencheur, une balle transversale. Donc, le starter de donc, les potentiels de déclencher du pressing, on appelle ça le starter. Donc, il y a une transversale, une mauvaise prise de balle, contrôle
ولا امورتي ان جوار بارتيكولي هنا دونك ان بوست بارتيكولي باستابل ان جوار فابل تكنيكمون دي بون اي بليزيور بارامتر ان جوار اورينتي دوجو هذا لو مو دوجو ان جوار باسكو علاش علاش دوجو كاين بزاف اللي يحبونا امين نعم Le dojo, c'est beaucoup plus le champ, le centre-champ. On appelle ça le centre. Ça donne l'angle de vision. Parce que surtout pour l'ouest. Surtout pour l'ouest. Il a fait le jeu. Il a fait l'adversaire de le ballon à l'ouest. Ou les milieux défenseurs. Donc, face au jeu. C'est-à-dire qu'il a classe. Il a fait le transversal. Il a fait la passe qui m'a fait. Il a fait le dojo. Il a fait le ما خليش يدور باش ما يكونش عنده ان شون ان اونغل دو فيزيون ان شون دو فيزيون وهذا لو شون دو سونتر هذايا كونت اون لو بلوك سي اون ارم بريمورديال دون لو جيجن بريسينغ دونك il faut aussi reconnaître on peut quand on peut et quand on peut pas presser quels sont les signaux pour presser à nouveau car on ne peut pas courir sans cesse comme un cinglé ما l'entraîneur تاع سيتي روجرز براندون هنا كان لي تروا فاكتور اللي كاينين لي تروا شيما اللي هنا هنا بوكو بلوس لا بروميي شيما ولا دوزيام شيما ولا تروازيام شيما دونك هنا اون بار دان بريسينغ اوريزونتال او بريسينغ فيرتيكال دونك ما ندخلوش في لي ديتاي جماعه باش نهضروا على بريسينغ انديفيديوال كوليكتيف استراتيجيك ولا نمبر بريسينغ انا اون بار سكي سباس اكتوالمون كوم ريفيرونس اون دي كو كاين ان بريسينغ اوريزونتال كاين ان بريسينغ فيرتيكال دونك هما يبار لي ماج الاولى On oriente, on pousse l'adversaire, ben, il dit le l'ouest, on dort aller pour récupérer le ballon et d'y aller droit au but. L'image numéro 2, c'est dès qu'on pousse, c'est-à-dire, nous on gabrof le position sur le côté, c'est-à-dire sur le côté. C'est la meilleure zone, probablement, pour créer un pressing. Car c'est ce moment où le pressing est, c'est-à-dire, il est bon. Voilà. Parce que la ligne de touche joue comme défenseur maintenant. Donc, généralement, les grands clubs, les grands. Enfin, les adeptes à le pressing, ils ont fait le côté pour récupérer le ballon. La deuxième, c'est horizontal. Hein? Plutôt vertical. Vertical, c'est vertical sur le côté. Parce que c'est le côté. La troisième image, on pousse l'adversaire à jouer avec le gardien. On peut la jouer avec le gardien. On peut la considérer comme. Un pressing de stratégie, c'est-à-dire on le pousse, il va sur le côté. Il va jouer avec le gardien. Le gardien va jouer avec les latéraux. Quand tu vois le bloc sera complètement sur le côté. Il va exprès, comme on dit, l'adversaire est autorisé à partir de l'arrière, hein, puis à forcer dans une direction, à jouer dans une direction spécifique. Cela peut être utilisé parce que nous savons, parce qu'à la balle, je me dirais, parce qu'à la balle, le joueur est le plus faible, d'un niveau techniquement qui est faible, ou là, beaucoup plus le dos, le thème, parce qu'il y a le ballon à l'ouest. Parce que le milieu de terrain, il y a un très bon milieu de terrain, il récupère le ballon ici, comment jouer, ou l'orienter le ballon. Les trois étapes, ils peuvent, en notre sens, gagner le pressing, ils peuvent le dire. Le quatrième, rapidement, c'est prendre en tenaille le porteur du ballon. C'est le prendre les prises à deux. Qui m'a dit Amir Shafiq Fiha, le tenaille, donc tenailler en prise à deux entre les ballons. La meilleure défense, c'est toujours être deux pour un défenseur. Donc, qu'est-ce que prendre en tenaille le porteur du ballon? Cela consiste à défendre à deux sur le porteur du ballon. Lorsque celui-ci est situé entre deux lignes défensives, de façon à créer une situation de supériorité numérique dans une interligne. Qui m'a dit qu'il y a une supériorité numérique, qu'il y a une supériorité de position, positionnelle par rapport à la zone. Donc, pour réussir à prendre en tenaille un joueur adverse, les lignes défensives doivent être situées entre le ballon et le but à défendre. Là, c'est important. Il faut que ça soit situé entre le ballon et le but à défendre. Ce type de récupération demande de la synchronisation entre les lignes pour pouvoir créer une situation de crise de temps et d'espace. Et de sous-nombre ainsi provoquer la récupération. Donc, il a schéma qu'on va l'illustration numéro 2. Sur cette image, nous voyons que l'arrière gauche, c'est-à-dire l'attaquant gauche, l'arrière bleu, hein, je vous le bleu, c'est toujours le bleu qui est en centre, et le milieu central gauche,
les quatre lignes défenseurs, les quatre défenseurs en bleu, les quatre milieux de terrain en bleu. Là où j'ai le ballon dans le ouest, mais regardez qui intervient. C'est l'attaquant à un milieu de terrain central gauche, effectuant une course de cadrage sur le milieu rouge. Avec de la coordination et de l'intensité dans les courses, cette prise à deux, il y a la prise à deux, il y a la tenaille, va amener à une récupération du ballon. Donc, la tendance du football moderne est d'attirer l'adversaire dans son bloc défensif pour créer des supériorités numériques autour du porteur du ballon et le récupérer. Gérard Aurier, ancien sélectionneur national de France, ancien entraîneur de Liverpool, la parole est à l'aide de tendance actuelle. Voilà, je m'en ai la bibliographie, on passe à la bibliographie, on s'est inspiré sur beaucoup plus les Roms d'actualité. Hein. Donc, il y a une revue allemande de Tactical Rome, numéro 57. Malheureusement, elle est payante. C'est le mars, avril, plutôt mars 2020. Elle parle de tout ça beaucoup plus à la défense de zone, à les étapes à Douma, ou les outils, ou le gegenpressing aussi. On s'est inspiré de l'entraînement de la zone, Herman Varmulen 2004, entraînement de football pro avril 2020. Il y a les trois revues Hadouma allemandes, Hadouma qui sont très très intéressantes. Je vous assure que Ken Wynne des passages, Wynne des introductions directement, l'allemand, le français. Hein. Donc peut-être qu'il y a des difficultés pour la traduction. Ken Spielberg, Jergon Hadouma, revue allemande, correspond mi-2020, qui m'a fait un mois de ça. Le pressing in soccer, derrière les trois. Rédacteur en Aya, Jaroslav Beka, Webak, Peter Stenger, Lucas Berkliff 2018. Et le plus approprié, les Kalmelech, c'est l'art de contre-pressing, Germany Top Level Tactique, partie 4, Steven Turkel en 2018. Et au final, Inch'Allah, on dit que c'est le majlis. Bihamdik, achadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci de votre précieux temps. Merci de votre patience. Merci de votre écoute. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, on connaît le mustafidin. Assalamu alaikum.